Salut tout le monde, donc après une semaine d'absence, vous revoyez ma tête. Si vous n'avez pas lu la barre d'infos de ma dernière vidéo et si vous ne me suivez pas sur Facebook, vous ne savez pas donc que je suis partie en Espagne pour une semaine. Donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas de vidéo pendant une semaine parce que malgré que c'était bien, qu'il faisait chaud, que la maison était parfaite, etc. Il n'y avait pas de connexion d'internet, c'était un peu dommage, mais en même temps c'était aussi bien parce que comme ça, pendant une semaine, on a pu en profiter sans internet. Ok, c'est un peu bizarre en profiter sans internet, mais c'est vrai que parfois c'est bien, ça fait du bien de se reposer un peu. Là que j'étais pas très présente sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur Ask, ni sur Twitter et machin, et tout en fait, et voilà, donc c'était une semaine assez bien. J'ai fait quelques vidéos si ça vous intéresse, regardez-les sur ma chaîne de vlog. Donc la première vidéo c'est un room tour que je vais vous mettre ici. La deuxième vidéo c'est un vlog où je raconte un peu les choses. Puis la troisième vidéo que je vais vous mettre ici, c'est une vidéo un peu comme ça sur la ville, enfin genre un peu vous montrer la ville d'à côté, etc. Même la ville où j'étais en fait. Et voilà. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne de vlog, je vous conseille de vous abonner. Le lien, c'est ici. Parce que ça vaut vraiment le coup. Parce que, en fait, je vais commencer une petite série là-bas. Je n'ai pas encore commencé, mais je vais bientôt la faire. Donc, elle aura un rapport avec ma série Back to School. Donc, voilà. Mais pour l'instant, il faut que je me repose un peu, il faut que je fasse le montage, etc. Parce que ça va prendre énormément de temps. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous voulez que je vous montre my dressing tour. Voilà, donc voilà. Est-ce que c'est tout? Ah oui! Malgré que j'étais absente sur YouTube, ça ne nous a pas du tout empêché de continuer à vous abonner. On est en ce moment 600. 6 personnes, 6 Sur personnes cette qui me regardent, c'est juste dingue. C'est le nombre d'élèves dans mon collège, quoi, à peu près. Et c'est juste dingue, j'arrive toujours pas à y croire. Et je vous remercie énormément. Ça me fait super méga plaisir. Voilà, je pense que vous n'arrivez même pas à imaginer parce que 606 personnes comme ça devant moi, j'arrive pas à les imaginer, quoi. En fait, je vois tout de suite le nombre de personnes qu'il y a dans mon collège. Et ça me fait peur. Ça me fait réellement peur. Oh, c'est dingue! Merci beaucoup. Oh, j'arrive pas à vous remercier. J'aimerais tant faire un concours, mais en ce moment, c'est pas trop ça, quoi. J'arrive pas. C'est un peu compliqué en ce moment et je préfère pas en faire pour l'instant. Mais voilà, peut-être après, mais je vais voir. Donc aujourd'hui je reviens pour un haul d'Espagne. Donc ça sera pas énorme parce que en fait je suis allée en fait c'est la deuxième fois que je suis allée dans la même ville. Et l'année dernière je suis allée dans un carrefour où il y avait une parfumerie où ils vendaient des produits de la marque Essence. Donc bien sûr j'en ai profité hein. Mais en fait comme tout ça, comme tout ce voyage, c'était genre last minute, on n'était vraiment pas du tout prêt. On comptait même pas aller quelque part pendant ces vacances-là parce que ma petite sœur aurait dû avoir une opération, mais finalement elle a été annulée. Donc voilà, on en a profité pour faire un petit voyage d'une semaine pour se reposer un peu, pour renouveler nos idées, etc. Et donc, on a décidé d'aller dans la même ville où on est allé l'année dernière. On a loué une maison, en fait, ils appellent ça une villa, mais c'est genre une grande maison qui est séparée en deux, donc pour deux familles. On se voit jamais dans la maison, on se voit juste à l'extérieur, donc c'est vraiment séparé par un mur, mais c'est de l'extérieur, on dirait une grande, gigantesque maison. Et le bonus de cette maison, c'était une piscine, c'était juste génial. Genre après la mer, tout de suite dans la piscine, c'était juste waouh, j'ai adoré. Sauf qu'il y avait un jour où la piscine était cassée, donc c'était un peu dommage. Mais bon, pour le dernier jour, elle a été réparée, donc on a bien profité. Puis la mer, c'était juste génial. Enfin,
C'était trop bien. Et j'ai un peu bronzé, je sais pas si vous allez voir, peut-être c'est à cause de la luminosité que vous me voyez toute blanche. Mais j'ai quand même pas mal bronzé, surtout aux bras et aux pieds. Enfin voilà, bref. Je change très vite de thème, je crois. En tout cas, où je veux en venir, c'est que j'ai supplié mes parents pour qu'on aille à ce carrefour où il y a cette parfumerie magique avec ses produits magiques de la marque Essence. Parce que j'avais besoin de plusieurs produits pour la rentrée, etc. Et en fait, j'ai convaincu mes parents après de longues demandes et ils m'ont emmenée à Carrefour. Sauf que je suis arrivée, je cherche cette parfumerie et sincèrement, c'est la seule chose dont j'aurais jamais pensé, vraiment jamais, jamais, jamais pensé. Ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé par un opticien. Un opticien. En plus, il y avait déjà un opticien dans ce carrefour. J'ai vraiment rien compris. J'ai trouvé ça assez injuste pour les autres personnes qui veuillent aussi se procurer des produits essence. C'est vrai que moi, j'en ai pas mal et je vais assez souvent en Allemagne, mais là, j'avais vraiment besoin de ces produits parce que voilà, ils sont vraiment pas chers, ils sont juste géniaux et j'en avais vraiment besoin, mais bon. On peut rien y faire, donc j'ai été très 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 déçue, mais je me suis quand même acheté quelque chose dans ce carrefour, enfin voilà. Donc c'est un peu pour cela que j'ai pas acheté grand chose, j'ai juste acheté 5 choses, donc bon. Je vais quand même vous les présenter. Donc tout d'abord, je suis allée dans le centre de ma petite ville, et voilà, un peu le paquet, pas très original, mais bon, enfin, ce n'est pas grave. Et en fait, je suis allée dans un magasin où ils vendaient plein de bijoux, mais super mignons. C'était juste, voilà, super, super mignon. Des bijoux un peu à la mode quand même, et vraiment pas cher. Ça, c'était vraiment le truc vraiment, vraiment pas cher. Et donc, j'ai trouvé mes boucles d'oreilles d'amour que je voulais déjà depuis super longtemps. Ce sont celles-ci. Alors, est-ce que vous allez voir? Yes, je crois que vous voyez à peu près. En tout cas, c'est des boucles d'oreilles croix. J'en cherchais déjà depuis super longtemps. Donc vous allez dire, mais Christina, tu peux les faire toi-même. Je sais, je peux les faire moi-même, mais j'ai toujours trop la flemme. Je me dis, oui, tu vas le faire, mais après, je dis non. Allez, ça va être pour demain, et pour demain, et pour demain. Et après, c'est pour jamais, en fait. Et donc, bah, je me suis dit, allez, tu vas les acheter comme ça. Comme ça, c'est fait. Ils sont super jolis. Donc, ils m'ont coûté. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, ils m'ont coûté 2 euros. Même s'il y a écrit 2 livres. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils se sont trompés ou je sais pas quoi. Mais ils m'ont coûté 2 euros. Donc, je les trouve vraiment super jolis. Ensuite, dans ce carrefour, je suis allée dans ce magasin-là. Donc, verre de limone. Je ne fais pas de l'espagnol, mais je peux deviner que ça veut dire citron vert, peut-être. I don't know. En fait, ce qui est super marrant, c'est que comme dans le nom il y a vert, je me suis acheté une robe verte. Site d'internet si ça vous intéresse, donc. Voilà, et même un Facebook, donc bon. Voilà, donc en tout cas, c'est une robe en bustier comme ça, donc elle est verte, blanche, et en fait, elle est super méga longue. Donc c'est vraiment ma première robe longue, j'en avais vraiment jamais de robe longue. Donc là, j'en ai profité, elle m'a coûté juste 9 euros au lieu de 18. Donc c'est une taille unique. En fait, c'était un genre un magasin un peu asiatique, mais en même temps espagnol, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était voilà, c'était un peu bizarre. Je suis allée dans une ville qui était à côté de la ville où j'habitais en fait. Et donc ils ont un centre, mais juste super mignon. C'était juste super agréable de se promener là-dedans avec ces petits magasins autour. Et donc je suis allée dans un magasin où tout était à 2, 5 et 10 euros. C'était vraiment waouh. C'était niveau bijoux. Niveau bijoux,
maquillage, parfum. En maquillage, il y avait cette marque Gio de Giovanni, ce qui me fait plein de souvenirs. Voilà, donc voilà un peu leur petit paquet, ce que je trouve super, super sympa. Paquet, c'est un sac plutôt, pourquoi je dis toujours paquet? En tout cas, pour 2 euros, je me suis acheté enfin ces lunettes de soleil que je voulais déjà depuis super longtemps. C'est cette paire. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre les nouveaux Ray-Ban, peut-être, je sais pas trop. Mais genre, il y a rien en bas, il n'y a pas ce truc en bas. Et donc, ils sont vertes, jaunes. Et je les trouve vraiment super sympas. Il y a juste l'étiquette qui dérange. Mais voilà. Désolée, j'ai été interrompue. En tout cas, où j'étais? Ah oui, donc à propos des lunettes, coûtait juste 2 euros, je trouve ça vraiment pas cher. J'en ai vu dans des petits magasins à souvenirs qu'ils coûtaient genre 9, 12 euros, alors que là pour 2 euros c'est vraiment pas cher. Donc j'en ai bien profité. En tout cas, Mango, j'ai pas pu empêcher d'acheter quelque chose là-bas parce que bon, je suis entrée peut-être une, deux fois dans ma vie dans un Mango. Et je me suis jamais acheté quelque chose. Je voulais absolument avoir quelque chose de chez Mango. Enfin, c'est toujours comme ça, moi. Quand il y a un magasin qui n'y a pas chez moi, je veux tout de suite acheter quelque chose là-bas. Donc, en plus, j'ai trouvé un petit haut très sympathique. Il présente comme ceci. Donc, il est très loose, un petit peu transparent, chiné. Et donc, il y a un... une big image avec une femme et qui est en train de prendre son petit déjeuner et puis en bas il y a écrit breakfast, donc je me suis dit genre pour des jours un peu comme ça, oui je sais pas quoi mettre, je pourrais mettre ceci un peu comme ça, rentrer dans un pantalon, ça pourrait être assez sympa. Mango, et en fait c'est Mango Jeans, j'ai pas trop compris pourquoi. Et donc c'est la taille L. J'ai choisi L parce que j'aime beaucoup avoir des t-shirts un peu loose qui sont pas trop collés à la peau. Donc il m'a coûté juste 9,99€. Donc j'ai trouvé ça pas super méga cher. En fait le dernier jour, vraiment vraiment le dernier jour où on est parti vers la France, on s'est arrêté encore dans la même ville où on a habité, dans un supermarché, et en fait j'ai trouvé là-bas quelque chose, j'ai trouvé des drinks, des boissons, je pense que vous connaissez, je pense que vous les connaissez dans des room tours, peut-être vous les avez vus ou je sais pas, en tout cas c'est ces petites bouteilles là, donc c'est de la marque Arizona, donc c'est voilà, c'est l'été Arizona. Et donc, je m'en ai pris 3. Donc, celui-ci. Donc, ça, c'est le original. Donc, l'original. Green tea with honey. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser parce que, bon, je les ai pas encore ouverts, je les ai pas encore goûtés. J'ai un peu peur, je vous l'avoue. Je sais pas trop comment les boire. Chaud, froid, ou comme ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre, un thé ou quelque chose comme de l'iced tea. En tout cas, ils me disent que c'est une boisson au thé vert aromatisé au miel. La deuxième, aussi très connue, donc je pense que la plus connue, c'est quand même celui-ci. Ensuite, la deuxième très connue aussi, c'est la pomegranate green tea. Donc c'est à la pomme et à la grenadine. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est une boisson rafraîchissante, donc rafraîchissante, je pense que on doit le boire assez frais. Donc boisson rafraîchissante aux extraits de thé vert et grenade. Ça c'est le iced tea with lemon flower. Boisson thé noir, goût citron. Thé noir me fait un peu peur parce que j'aime pas du tout le thé noir. Mais bon, on va voir. Maintenant, combien ils ont coûté? Ils m'ont coûté, sincèrement, juste 99 centimes par bouteille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez des bonnes fins de vacances. Et voilà, donc je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao!